Donc, Jérôme m'a prêté la caméra pour te mettre sur le film. Ça va être du joli. Ça va être du joli. Ben, je vais essayer. Hein. Non, alors, merci, merci, vous êtes trop gentil avec moi. Donc, Christian, ça va se passer bien? Ah oui, pas de soucis, avec le bon temps. Sûr? Oui, le rouge, on prend le rouge, c'est tout. D'accord. On va prendre des poissons? Oui. Bon, je compte. J'espère pour toi que tu dis pas de conneries. Pas du tout. Ça saura autrement. Et souris, tu sais. Pêche de chat et quelques poissons blancs décollés. D'accord. Le meilleur gagne. Que le meilleur gagne? Voilà. Donc, ce sera un diable. Ah, j'espère, il y en a deux. Il y a deux diables. Donc, on aura le beau temps tout le week-end? Ah, ça, je sais pas. Quelques orages à prévoir. On se mettra à l'abri. D'accord. Voilà. Donc, il faut bien remercier la PPMA de la flottante qui a fortement œuvré pour rendre le parcours praticable. Bien. Je vous remercie. Tiens, un bon désherbage cet hiver. C'est très bien. Je vous remercie, monsieur Pirat. Je vous en prie, monsieur Bertin. À tous les compétiteurs ainsi qu'à un accompagnateur, un petit déj. Donc, café, tartine, jus d'orange. Donc, vous aurez tout ça ici demain matin à 6h. Blanc à 6. Blanc à 6. Et donc, pour monsieur Bertin, il y aura du blanc à 6. Apparemment, il déjeune au blanc à 6 ou au pamplemousse. Au niveau du tirage au sort, pour ceux qui sont déjà venus en Saône-et-Loire, c'est la formule habituelle. C'est-à-dire que c'est une bouteille de vin avec laquelle vous repartez. Puisque vous êtes en Bourgogne, la spécialité de la Bourgogne, comme vous le connaissez, c'est le vin. Donc vous choisissez une bouteille au hasard et le numéro X de 1 à 15, Z de 1 à 15, est écrit au fond de la bouteille. Bon, je vous rassure, on le voit avant de boire la bouteille. On ne vous oblige pas à boire la bouteille. Ah, quand je joue à les vieux, on dirait des gamins. 14. X9. Gérard Patry. Ah, voilà un vieux diable. Prends ce que tu veux, ce qui t'inspire. Z9. Eh ben, il a pas tiré une aile, le vieux. Bon à rien. Daniel Brun. Monsieur Patry, 3950, ça vous plaît? Non. Ah ben, vous êtes mauvais, vous êtes mauvais. Hein. Bonjour René, que penses-tu de notre de pamplemousse? Ce matin, pas goûté. Ah, ce matin, pas goûté. Et aucune goutte d'alcool ne rentrera dans ce corps. Par contre, la bière, t'as bien goûté hier soir. La bière était très bonne. T'as bien aimé. Hein. Bon, monsieur Cubi, vous avez récupéré tous vos vieux? Ça y est, donc ils sont tous prêts là pour la deuxième manche. Il en manque pas? Non. Juste GG qui est tombé à l'eau. Il y a une amorce toute blanche du coup, mais il n'y a pas de souci, ça va bien faire. Donc on espère que les poissons seront au rendez-vous. Hier, c'était. C'était un peu dur. Il y a eu du bon et du moins bon. Le secteur très dur. C'est assez localisé, mais bon. Matin, ça devrait mieux se passer. Bien, voilà. Merci, monsieur Gubi. Je vous en prie. Oh. Alors, les gars du Cher. Notre avocat n'est pas là, on ne parle pas. On a trop peur de prendre encore une grosse branlée. Ah, ça, c'est pas moi, hein, c'est pas moi. On verra ce que le grand chambellan va te dire. Alors, l'aile, vous y sentez bien? Je sais pas. Je serais content, c'est de prendre une plaque qui fasse un kilo, quoi. Ou une grosse branlée. Oui. Alors là, je vais vous présenter une équipe à Ripper le Soleil. Regardez-moi ça, ce que ça ressemble. Vous voyez ce carton déjà? Avec le vent, il y avait, c'est beau, hein. Il y a un bon moment, ça. Il n'y en a pas? Il est là, mais. Un énorme. Ouais. 4250. C'est bon? Oui. Monsieur Patry, vous êtes content de votre pêche? J'ai poisson de con. Ah, la con, hein. Ouais, la con. Moi, je pense qu'on ferait mieux de peser les vieux plutôt que leurs poissons. Je les vois tous bien dodus. C'est pas votre pesée? C'est pas ça, c'est la prochaine. Bon, ben, on va regarder quand même, on va attendre la prochaine, monsieur Goupil. Président de la FF... PSC. Monsieur Goupil, j'ai votre pesée? Oui, c'est ma pesée. Vous êtes content de vous?
Bon, bah, j'aurais pu mieux faire, oui. Bon, on peut toujours faire mieux. J'aurais pu mieux faire. Allez, il y en a encore un. T'as pas filmé, t'as coupé là. Il a dit que c'est pas dire des noms. Vous avez pas attaqué quoi? L'apéro. C'est une dédicace pour Jérôme. Pour Macaï. Vérifiez. Ce goupil, vous en aviez gardé d'hier? Absolument, oui. Ça y en a un, il y en a un verbe. Il y en a tout en le fond là. C'est pour tantôt celui-là. Il arrive? Oui. T'as plié, hein? Ah, voilà. J'aime bien me piquer. Bon, allez, on passe 3000 ou quoi? C'est bon? Ah oui. On n'est pas très loin. Non, si, c'est pas loin. Ah, pas loin. Non, pas loin. 3600. 70. 3670. Bravo, monsieur Goupil. C'est pour meubler. Hein. Voilà, je vous présente monsieur Patrick qui a des ambitions d'aller au championnat de France vétéran. Non, mais vous revoyez ce qu'il ressemble. Sans déconner. Oui, moi, je suis partout cette année. Ouais, voilà. C'est pas fini de coacher. Je vais en faire bien moins des championnats cette année et tout. Mais de face, il était 12. Hein. Alors, on avait le vieux de face, maintenant on a le vieux de dos. C'est encore pire. Oh, c'est pas pire, mais on sait pas de quel côté est le mieux. Ah, mais moi je filme, ne vous tracassez pas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi on appelle les temps de la mouette? Pourquoi qu'on appelle les temps de la mouette? Oui. Eh ben, je suis encore trop jeune pour y savoir. Ah. Il faudrait des types qui ont au moins 100 ans. Pour... Vous avez été remis. Donc moi je vais le remettre à Nicole. Parce que Nicole elle est toujours là. Et la famille Villani pour nous aider. La deuxième manche ce matin, c'est Bordereau Richard, 6340. Et la manche de dimanche après-midi, c'est Bordereau Richard avec 4900. Bravo Richard. Merci. Félicitations. Bravo. Merci. Petit t-shirt d'ici le champion dans son pire. Les derniers qualifiés, c'est pas trop forcé, c'était le représentant de l'envoyé spécial de la Diable D, donc Gérard Patry. Il y a deux points de différence entre le premier. Donc à noter, c'est quand même un classement serré, puisque le premier à 13 points et le 8e à 16 points. 16e, Jacques Goupil, 23 points. Qu'est-ce que vous pensez de votre poulain? 17e, ma foi, mon poulain n'a pas été très chanceux. Sinon, je crois qu'il vous aurait mis une grosse branlée. Et voilà le poulain. Allez. Ah bah c'est le dernier. Pas de flash, il n'y a pas de flash. Je sais qu'appuyer là pour moi. Voilà. Mais n'oubliez pas, la branlée qu'on va leur mettre. Il y a encore un diable noir de qualifié. Allez, regardez une belle brochette de vieux, ce que ça ressemble. L'avenir de la pêche. Et le diable rouge. Monsieur Patry, regarde au moins. Prenez le super, c'est bon. Prenez la canne. Allez.